Hey, bonjour les amis, je m'appelle Carlos Gonzalez. On est ici à Yellowknife sur le Grand Lac des Esclaves. J'ai ma compagnie Yellowknife Outdoor Adventures. On fait des voyages de pêche ou des randonnées sur le Grand Lac des Esclaves. Bon, j'ai quitté Montréal il y a à peu près 31 ans. J'ai quitté parce que je voulais plus rien savoir du trafic, de s'embêter pendant 2 heures à 3 heures, 4 heures dans le trafic à tous les jours. Je voulais plus rien savoir. Donc, j'ai quitté de Montréal à Yellowknife. Je suis venu en direct. Ça fait 31 ans que je suis ici. Mon premier emploi, lorsque je suis arrivé à Yellowknife, j'étais maître d'hôtel à l'Explorer Hôtel pendant à peu près 10-12 ans. Puis après, je suis allé au collège, j'ai enseigné pendant 10 ans des programmes de tourisme, de guide. Et c'est ça qui m'a fait débuter, parce qu'on avait les étés en vacances, débuter mon entreprise, puis faire des voyages juin, juillet ou septembre. Puis après ça, redébuter l'enseignement pendant 10 ans à travers les territoires du Nord. Pour les Autochtones, c'était très intéressant. Je suis vraiment très content de mon expérience. De pouvoir parler français, ça m'a vraiment donné des occasions sublimes de rencontrer du monde à travers le monde qui viennent nous visiter. Puis on peut faire une interaction en français. Je parle l'espagnol, l'anglais, l'italien, le portugais, mais vraiment le français, c'est bien. Il y a tout le monde du Québec, de la France et à travers du monde qui viennent nous visiter. Donc c'est vraiment positif. Ben là, Yellowknife Outdoor Adventures, on a des projets. On a bâti quelques cabines, alors donc le monde peut rester pendant 2-3 soirs. On a des canots, ils peuvent rester plus longtemps aussi durant l'hiver, sont chauffés. Et ça va faire faciliter à peu près 8, 10, 12 personnes pour pouvoir profiter du Grand Lac des Esclaves et les expériences qu'on a à offrir. Mes projets futurs, moi j'adore voyager. Je suis vraiment passionné de la pêche. Alors donc, dans mes vacances, j'essaie de voyager. Je vais en Argentine, au Brésil, au Québec, n'importe où, ce qu'il y a des espèces de poissons que je peux aller attraper, puis rencontrer du monde, puis vivre un peu la culture. Donc ça, c'est je veux voyager le monde à la pêche, en randonnée. Ça, c'est mes projets futurs. CD Tenno, ça a été vraiment, ça m'a donné une grosse aide au début. Il y a à peu près 5 ans, on a fait un travail avec pour chercher du monde en France. J'ai des Français maintenant qui viennent à la pêche à la mouche et à la pêche au lancer léger. Et ça, ça a été vraiment un travail que le CD Tenno a débuté. Et même aussi aujourd'hui, de voir la revue de Carlos et Yellowknife Outdoor Adventures, c'est toute la part de CD Tenno. Donc, bon travail et on continue. Bonne réussite!